Si dans les 3,3333 secondes tu likes et tu t'abonnes, tu auras tous ces V-Bucks sur Fortnite. Mais si tu le fais pas, tu auras jamais plein de V-Bucks sur Fortnite. Donc like et abonne-toi. Juste avant de commencer, si vous voulez des cartes de V-Bucks pour gagner plein de cadeaux sur Fortnite, il vous suffit de liker cette vidéo et bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification et mettre un commentaire positif. Yo les gars, c'est Kudoro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Fortnite, 200 likes en moins de 24 heures. Voilà toutes les personnes qui achètent avec mon code créateur cadeau KDO dans la boutique. Donc du coup, dans la nouvelle boutique, qui pourra bénéficier du pass de combat, d'accord. Vous pourrez l'avoir gratuitement, le pass de combat, grâce à cette vidéo les potes. Mais bien sûr, pour récupérer le pass de combat, il vous faut vous acheter avec mon code créateur cadeau. Voilà, c'est KDO, c'est super simple, en minuscule ou en majuscule, on s'en fout, il n'y a vraiment pas de problème les potes. Donc là, comme vous pouvez voir, tout nouveau OG pass, donc voilà, tout nouveau pass original les gars, c'est vraiment un truc de fou. Donc n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo au maximum, d'accord les potes. 200 likes en moins de 24 heures, et puisque vous likez un maximum, et ben du coup voilà, vous likez avec tous vos comptes YouTube, il n'y a vraiment pas de souci. Mais vous vous abonnez aussi à la chaîne YouTube, c'est très très important. Et toutes les personnes qui achètent avec mon code créateur cadeau pourront bénéficier de 13 500 V-Bucks gratuits dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un gros glitch qui vient de sortir grâce à la maintenance pour les V-Bucks. Voilà, des V-Bucks gratuits pour la nouvelle saison qui vient tout juste d'arriver. Donc n'hésitez pas à vous propulser dans Fortnite, car on est retour au chapitre 1, du coup, au chapitre original où il y a eu le prime de Fortnite. D'accord les potes. Donc c'est parti, déjà, je vais vous montrer la petite astuce. Mais bien sûr, pour réussir à avoir vos V-Bucks sans aucun souci, il vous suffira tout simplement déjà de base mettre mon code créateur cadeau dans la boutique. Voilà, vous achetez avec, vous avez les 13 500 V-Bucks. Par contre, si vous achetez pas avec, au moins mettez-le dans la boutique, c'est vraiment super important pour que vous puissiez récupérer grâce à cette map vos V-Bucks, d'accord. Et ceux qui veulent les V-Bucks tout de suite, bah vous achetez avec mon code créateur cadeau. Une fois que cela est fait, vous mettez votre jeu en anglais, c'est super important, et vous allez mettre le matchmaking en Middle East, c'est très important, ou encore Océanie, ça fonctionne. Voilà, j'ai essayé les deux, donc n'hésitez pas à le faire. Donc là, regardez bien, mon code créateur cadeau s'affiche tout de suite à l'écran. Vous pouvez voir l'ancienne boutique les gars, à l'époque. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Fortnite ont vraiment géré, on va pas se le cacher. Du coup, c'est parti. Vous pouvez voir que le pass de combat coûte 950 V-Bucks, et malheureusement il me manque que 50 V-Bucks. Voilà, j'ai offert énormément de cadeaux aux abonnés pendant l'ancienne saison tout simplement. Donc c'est parti, on va tout simplement lancer. Donc il faudra bien sûr lancer en privé, c'est hyper important la team, je compte vraiment sur vous. Donc une fois que vous avez lancé en privé la map, d'accord, le code s'affiche sur l'écran, donc voilà où il y a la map, il n'y a aucun souci, vous mettez pause sur la vidéo. Franchement, il n'y a pas de timing, mais dépêchez-vous avant qu'Epic Games patch ce glitch. Donc c'est super important la team, bien sûr mettez mon code créateur cadeau et 200 likes en moins de 24 heures, c'est le record du jour, je compte sur vous. Et si vous réussissez, bah vous serez récompensé en skin. Comme vous pouvez le voir, un like est égal à un skin gratuit, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous mets pas le couteau sous la gorge, vous savez ce qu'il reste à faire. Donc c'est parti les potes, on passe tout de suite à la manipulation. Du coup là, on se retrouve sur la map, donc ça, rien d'anodin, donc on dirait un petit peu du Tilted etc. en version remasterisée, je vais pas le cacher. Donc là, vous allez vous diriger directement dans la cabine d'électricité, d'accord. Donc le TGBT, pour ceux qui connaissent, gros big up à tous les électriciens, donc ça fait super plaisir. Donc là, vous allez tout simplement vous rendre ici, d'accord. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement appuyer sur carré, donc voilà, il y aura un bouton secret room. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez apercevoir des distributeurs qui s'offrent à vous. Attention, c'est pas vous prenez, vous cliquez sur le distributeur, vous recevez direct les V-Bucks, ça ne marche pas comme ça, faudra faire une manipulation la team pour les récupérer, d'accord. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez vous diriger tout simplement vers le distributeur de V-Bucks qui vous intéresse. De toute façon, je vous mens pas, il n'y a que celui là qui fonctionne, les autres sont là juste pour faire joli, je vais pas vous le cacher. Le seul distributeur qui fonctionne, c'est celui-ci. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez respawn. Donc voilà, c'est vraiment super important, mais il faudra respawn devant le distributeur de V-Bucks. Une fois que cela est fait les potes, c'est vraiment très très important, vous allez vous rediriger dans cette secret room tout simplement. J'ai un petit peu bégayé, excusez-moi les potes. Donc voilà, comme je vous l'ai dit les gars, 200 likes en 24 heures, plus vous likez, plus vous avez de chances de gagner. Mettez vos pseudos dans l'espace commentaire, Epic Game ou console, comme vous voulez, mais spammez. Vous avez le droit, c'est autorisé juste pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas. Donc là, une fois que c'est fait, vous avez respawn, vous allez retourner à Secret Room, vous avez appuyé sur carré, et là vous avez un message d'erreur, vous l'acceptez. Une fois que cela est fait, vous allez faire start, et là vous allez faire vraiment la même manipulation que moi. Vous allez dans Reporting, Reporting a bug, c'est vraiment super important. Et là vous allez dans Report Island, donc c'est super important. Une fois que vous êtes là, vous allez vous diriger sur Island as Performance Hit You, c'est hyper important la team. Et une fois que cela est fait, la map Dusty Tower va tout simplement sortir. Donc là vous allez appuyer sur croix, vous allez ensuite appuyer sur triangle pour screenshot, d'accord, pour montrer à Epic Games qu'il y a pas un bug de codage, d'accord, c'est hyper important. Donc si vous les voyez les codages, boum,
boum, et ben c'est que vous avez le bon timing. Là vous allez tout simplement envoyer le message d'alerte à Epic Games, mais attention, ce n'est pas encore fini. Donc là ce que vous allez faire, c'est vous allez close, donc c'est à dire vous allez fermer le message. Une fois que cela est fait, c'est vraiment très très important à la team, là vous allez tout simplement faire start encore, et vous allez aller dans reporting encore une fois, c'est hyper important, et là vous allez faire report a bug, et là vous allez aller dans report a bug, d'accord les potes. Donc voilà, c'est hyper important. Du coup, une fois que vous êtes là, vous allez dans shop, locker and lobby, c'est hyper important, d'accord, et là vous allez ensuite vous diriger sur item or V-Bucks, c'est hyper important la team, je me répète beaucoup, mais attention, si vous loupez une étape, malheureusement vous pourrez pas récupérer vos V-Bucks à l'instant T, c'est hyper important. Donc là vous allez faire la même manipulation que le premier reportage que vous avez fait, c'est à dire report Thailand tout à l'heure. Donc franchement il n'y a aucun souci, vous faites vraiment la même chose, et là vous allez réappuyer sur croix et ensuite encore accepter le message d'erreur. De toute façon vous êtes obligé, il sera totalement bugué. Donc voilà, ça vous félicite comme quoi vous avez bien récupéré vos V-Bucks avec Successful, donc en mode vous avez récupéré les V-Bucks. Et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore faire start respawn, et du coup la manipulation sera fini, il n'y a vraiment pas de souci. Mais les potes, de toute façon j'aide vraiment tous les abonnés qui n'ont pas le timing ou quoi pour récupérer les V-Bucks. Donc mon jeu est toujours en anglais, c'est très important, faut pas le mettre en français les potes, c'est vraiment hyper important. Et là vous allez tout simplement quitter la map et boum, je viens de recevoir tous mes V-Bucks. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr vous abonner. Comme je vous l'ai dit les gars, tous ceux qui achètent avec mon code créateur pourront bénéficier de tous ces V-Bucks sur Fortnite. Vous achetez avec mon code créateur, vous êtes récompensé, et je vous aide pour les manipulations. Nous on se retrouve à la prochaine. C'était Kuduro Micro et ciao tout le monde, bye.